Alors, nous sommes au stade du 28 septembre à Pouin, où il y a une chaude ambiance pour la troisième journée, la clôture de cette troisième journée au stade du 28 septembre, entre la formation de Tico qui a 6 points en ce moment et la formation de Kaloum qui a aussi 6 points. Vous entendez en ce moment même le bruit au stade du 28 septembre. Eh bien, les équipes vont sortir dans quelques instants. Commentaire en live entre l'équipe de Tico et la formation de Kaloum dans cette chaude ambiance. Les Kaloumistes tous deux n'avaient tout pour le traduire. Et c'est parti, c'est le coup d'envoi à l'instant qui vient d'être donné par la formation de Kaloum. Il y a la première faute commise par Ali Moudjalo sur un peu vis-à-vis. Il s'agit de Scarfaï. Le ballon va partir dans Soupé. Et ce stade du 28 septembre. Avec Mamadou Manika
qui va trouver là-bas le numéro 23 qui est balancé au sol. Numori n'a pas sifflé. Et c'est finalement le numéro 10 de Tico qui met le ballon en touche. Koumbassé Mohamed. Belém Soumaïla pour Babacar. Belém. Et Soumaïla Belém, le ballon là-bas. Attention à Kerfala Kouyaté. Moro Sangaré devancé par Almami. Abdoulaye Aïssata. Aïssata lutte avec Jean Mousset. Abdoulaye Aïssata va obtenir la faute. Ici au stade du 28 septembre, ça repart avec Jean Mousset. Pour Koumbassa. Koumbassa encore qui a été balancé au sol par Abdoulaye Aïssata. Coup franc pour la formation de Tico. Les deux équipes ont le même nombre de points avec l'avantage pour la formation de Kaloum qui totalise 6 buts marqués pour 0 buts encaissés devant la formation de Tico qui a gagné devant les espoirs de la B ce score de 2 à 0 avant de partir gagner 1 à 0 du côté de Sigiri. Donc 3 buts seulement marqués alors que la S Kaloum a 2 sorties. Je le disais tantôt, totalise 6 points avec déjà les 6 buts marqués, 3 contre Dubreka, la Sumba, et 3 contre la formation de Santéba. Il y a un joueur de Tico qui est à terre, c'est Jean Mousset. Espérons qu'il n'y a plus de peur que de mal, il se relève d'ailleurs, il sort. Jean Mousset. D'ambiance ici au stade du 26 septembre avec les supporters de Kaloum qui donnent de la voix. Et le ballon qui est sorti. Ça va permettre au numéro 22, Youssouf Porato. Porato qui va retrouver là un partenaire, le numéro 4, Bayal Sal, qui a balancé loin devant le 26 plutôt Bayal Sal et le ballon qui est sorti, c'est une touche. La balle qui est sortie, c'est une remise en jeu, c'est une touche pour la formation de Tico. Le ballon s'est levé et c'est Porato qui s'est saisi de la balle. Intervention de la défense, le numéro 26 qui a servi là, Ibrahim Assouri Camara. Ibrahim Assouri Camara qui met le ballon en touche. Et c'était plutôt Babacar. À la touche va revenir à la formation de Kaloum. Estime à l'arbitre central. Et c'est Babacar, c'est Neros. Il va jouer la touche. Le dégagement de Babacar et le ballon qui sort. C'est une touche pour la formation de Tico. Avec Conte Amadou. Mauvaise relance de Conte Amadou. Et ça va revenir à la formation Kaloum, tout de jaune vêtu avec Belém Soumaïla. Donc il va laisser le ballon à Babacar. Kaloum qui joue avec trois défenseurs centraux pour 5 milieux de terrain. Et puis seulement deux attaquants devant Oscar Taï. Il y a position d'hors-jeu d'Oscar. Signale le référé central de cette rencontre. Ça va repartir avec Belém Soumaïla. Belém pour Ali Moujalo. Belém Soumaïla encore.
avec Youssouf Camara Porato. Porato, qu'est-ce qu'il va faire? Il a touché le ballon, il va servir à Moreau. Moreau Sangaré, Moreau qui s'arrache. Moreau encore, Moreau qui va retrouver Kerpa Lakuyate qui écarte là pour Kasongo Kabongo. Kasongo, Kasongo, les passements de jambes, le centre de Kasongo. Intervention de la défense, Ibrahima. Ibrahima Traoré qui met le ballon en corner. Corner pour la formation de Kaloum. Avec Oumar Tourad Bangoura. Qui va venir jouer ses corners. Oumar Tourad. Face à lui, il y a Kasongo Kabongo. Il y a aussi Brahim Assouri, Camara, alias Pogba. Le corner va partir à tout à l'heure avec Oumar Tourad. La tête là-bas de Ibrahima Traoré pour concéder le corner. Ça va repartir avec Kasongo. Kasongo qui est passé. Kasongo qui est dans la surface de réparation. Et le ballon qui avait déjà mordu la ligne de touche. Et la ligne de sortie de but au Tampouma. Et c'est ce qui va permettre à la formation de Tico de repartir à travers son gardien Fofana Boubacar sur Mamadou Maninka. Mamadou Maninka, long ballon. La tête de Alemo Diallo, celle de Belém Soumaïla. Le contrôle de Jean Mousset, plutôt de Tourad. Le tacle posé et c'est Koumbassa qui a le ballon. Koumbassa un peu lent, il va obtenir finalement la faute. Concédé par Tourad Bangoura. Et c'est le gardien qui va venir jouer ce ballon. Le gardien de but de cette équipe qui va venir jouer. Bon, il laisse le soin à Maninka. Maninka qui va venir jouer Mamadou Maninka. Pour Drogba, Ibrahima Souri Camara. Ibrahima Souri Camara qui accélère. Ibrahima Souri Camara, le ballon qui sort. C'est une touche pour Babacar. Belém Soumaïla. Youssouf Camara Porato, du pied qui dégage. La tête là-bas, attention à ce ballon. Il y a là une faute, estime Momori. C'est Kerfa Lakuyate Zozo qui est amené au sol. Avec les supporters de Tico qui arrivent, qui donnent de la voix. Alors que ceux de Kaloum font crépiter les tambours. Ici au stade du 28 septembre. Alors, ce ballon qui va partir dans quelques instants avec Abdoulaye Aïssata. L'ouverture là-bas pour Moro Sangaré. Intervention du numéro 23. Avec Kambemba le ballon qui sort. C'était Moussa Traoré qui allait récupérer le ballon. La touche maintenant pour le numéro 5. Alseni Bangoura. Comme il m'a appelé Tomaso qui va jouer la longue touche. La tête de Kerfa Lakuyate. Dégagement du numéro 14 pour le décor. Ibrahima Traoré. La Escaloum qui insiste, qui obtient là le deuxième corner de la partie. Avec Moreau Sangaré. Qui est titulaire ce soir. Moreau Sangaré qui lève le ballon. Les points du gardien qui s'est saisi du ballon d'ailleurs, Fofana. Fofana Aboubakar qui fait rebondir la balle avant de se dégager. Le long ballon est parti, c'est Aboubakar qui va jouer de la tête. Attention, le ballon qui n'est pas sorti, ça revient encore avec Oumar Tourad. Ibrahima Souri Camara qui met le ballon en touche. Attention à ce ballon qui est sorti avec Babacar. Babacar et Senderos qui va jouer la touche. Avec Zozo, Kerfa Lakuyate. Koumbassa pour Asko.
Koumbassa encore de nouveau pour Ibrahima. Ibrahima qui accélère. Belém qui contre ce ballon. Oscar Taï qui se bat de l'autre côté. Oh, le premier assistant qui lève son fanion. Le premier assistant qui lève son fanion sanctionne à une position d'hors-jeu d'Oscar Taï. Alors que ça va repartir. Avec Belém Soumaïla. Pour Youssouf Camara pour Ato, Belém. Belém encore. Le long ballon de Belém. La tête là-bas d'Ebrahima. Belém qui va servir Sal Mohamed. Mohamed Bayal Sal. Et c'est le gardien de Porato qui se dégage. La tête là-bas du numéro 24. Et le ballon qui va revenir. Attention à ce joueur qui est balancé, c'est Moussa Traoré. Moussa Traoré qui est à terre. Ça repart avec Alfoni. Le ballon qui a été Nembemba plutôt contré. La touche va revenir à la formation de Fico avec Moussa Manika. Mamadou Manika. Koumbassa. Mbemba c'est là. Mbemba. Le centre de Mbemba pour Oscar Taï. Qui n'a pas pu reprendre le ballon. Et la tête de... La tête de, du numéro 17, Babacar. Et ça repart avec Bayal Sal. Bayal Sal. Alimou Diallo. Belém Soumaïla. Tourad Bangoura. Youssouf Camara Porato. Youssouf Touré Porato. Bayal Sal. Abdoulaye Aissata. Bayal. Moro Sagaré. Bayal Sal. Le ballon de Bayal Sal. C'était à destination de Zozo Kerfala qui a mis la main pour empêcher l'évolution de l'attaquant des défenseurs de Pico. Et le ballon qui va repartir avec Maninka. Le long ballon de Maninka, la tête de Bayal Sal. Le ballon qui revient encore de nouveau. Avec ce défenseur-là qui va servir un de ses partenaires. Attention à ce ballon qui est parti avec Ibrahima Souri Camara. Ibrahima Souri Camara qui va accélérer. Ibrahima Souri Camara encore de nouveau. Le ballon qui traîne quelque peu là-bas. C'était en destination le numéro 23, Traoré Moussa. Et c'est le gardien qui s'est saisi du ballon. L'entraîneur camerounais qui est en veste ce soir, en costume, est en train d'applaudir. Et s'est protégé sur le terrain. Bayal Sal. Ballon de Moro Sangaré. Abdoulaye Aissata. Pour Youssouf Touré. Aissata. Belém Soumaïla. Kassongo Kabongo de la tête. Kerfala qui trébuche. Asko. Jamousté. À la passe de Jamousté est raté. Et c'est Alseni Bangoura pour Kassongo Kabongo. Kassongo. Kassongo qui démarre. Tourette qui perd le ballon. Koumbassa pour Ibrahima. Ibrahima souris. Koumbassa encore de nouveau qui trébuche quelque peu. Koumbassa qui a écarté pour personne. Et bien c'est le latéral du moment qui vient tacler ce ballon qui sort en touche. Kassongo Kabongo qui va tenter d'accélérer, l'arbitre laisse l'avantage. Ibrahima Traoré. Ibrahima, le dégagement d'Ibrahima. Koumbassa. Ibrahima Souri Camara. Koumbassa. Koumbassa. Pour Mbemba. Mbemba. Mbemba Sila avec ce ballon qui remonte. Mbemba qui retrouve le numéro 23. Il a toujours le ballon. Il va retrouver Koumbassa encore de nouveau. Oh, la passe à la doublesse, c'est bien fait pour Ibrahima. Ibrahima Souri Camara qui va rentrer là, c'est pas de passer Ibrahima. Oh, la frappe! Et le ballon qui monte dessus. L'équipe de Pico applaudit. Ibrahima Souri qui frappe le ballon qui monte dessus. Ça repart avec Bayal Sal. Mohamed Bayal Sal. Bangoura. Attention à ce ballon, Jamousté qui récupère finalement la balle. Et pour Manika.
Maninka encore, le long ballon de Maninka pour personne. Sinon le gardien, plutôt le défenseur, Bangoura, Al-Seni, pour Mohamed Bayalsal. Bayalsal pour le service de Belém. Belém Soumaïla avec Al-Seni Bangoura. Le ballon est récupéré par Moussa, Moussa qui accélère, Moussa encore toujours, Moussa pour Jean Moussé pour Koumbassa, Koumbassa qui écarte là pour Ibrahima, Ibrahima sur Camara, le centre d'Ibrahima, la tête de Skartaï, celle de Bayalsal aussi, et le ballon qui est récupéré par disons Babacar Sal, et le ballon qui a été contré par Jean Moussé, c'est une touche. La touche est jouée avec le numéro 25 là qui se bat, c'est Kassongo qui récupère le ballon, Kassongo qui a tenté d'accélérer, c'est une touche là, c'est une touche pour les rouges et noirs de l'Atlético de Coléa. Ibrahima Souri, Babacar va mettre le ballon en touche, touche pour la formation de Tico, avec ce ballon qui est contrôlé par Ibrahima, Ibrahima encore qui accélère, Ibrahima qui passe, et la touche va revenir à Belém Soumaïla et la Escalum, car Ibrahima a touché le ballon au dernier moment. La touche va partir d'une minute à l'autre avec Kassongo Kabongo, le ballon qui sort. Ça joue depuis 17 minutes ici entre la Escalum et la formation de Tico. Les deux équipes sont en égalité. 0 but partout avec Asco qui retrouve Maninka, le numéro 15. Mamadou Maninka Kanté pour le gardien Fofana. Le ballon de Fofana à la tête de Mohamed Sal. Et c'est Moussa Traoré qui contrôle ce ballon. Moussa qui va accélérer, Moussa qui va défier son vis-à-vis, Moussa qui va rentrer aux abords de la surface de réparation, la talonnade pour Koumbassa. Et Koumbassa, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans la surface de réparation, Koumbassa encore et toujours. Oh, la frappe de Koumbassa, le ballon qui monte. Amine Derian pour le moment, les deux frappes au but sont à mettre à l'actif de la formation de Tico face à cette équipe de Kaloum qui pour le moment souffre. Regardez Youssouf Touré Porato qui va se dégager. Allô. Je ne suis pas sur la conférence. Attention à ce ballon avec le numéro 4 qui va tenter de partir, et c'est finalement un ballon qui va sortir avec le numéro 27 là, Abdoulaye Aïssata. Attention à ce ballon. Pour le moment, il y a 0 but partout entre la formation de Tico et l'équipe de Kaloum. Kaloum qui joue tous deux jaunes vêtus, tandis que la formation de Tico joue dans les couleurs traditionnelles, c'est-à-dire le rouge et le noir. C'est Tico, c'est Kaloum qui est à l'attaque avec Al-Seni, et c'est finalement un ballon récupéré par Asco. Al-Seni Asco qui va retrouver les services de Moussa. Moussa pour Oscar Taï. Oscar Taï qui va défier Belém Soumaïla. Oscar encore et toujours. Oscar qui travaille. La frappe d'Oscar. Et ça monte dessus. C'est la troisième frappe but de la formation de Tico contre 0 frappe pour le moment pour la formation de Kaloum. Avec une équipe de. Et Tico qui pour le moment domine un peu le débat au niveau des frappes. Tourat Bangoura pour Al-Seni Bangoura.
Alcedi Bangoura qui fait l'ouverture là-bas pour Kerfala Kouyaté. Il y avait là Mamadou Maninka Kanté qui s'est dégagé. Je pense que ce jeu lui a marché un peu sur la main. Et l'arbitre Memori vient s'enquérir de nouvelles et de défenseur de Tico. Pour le moment, ça joue depuis 22 minutes. Il y a 0 pour Kaloum, 0 pour la formation de l'athlète. Vous le savez, ce sont les deux équipes pour le moment. Avec Kaloum qui occupe la tête avec 6 points, 6 buts marqués. Tico est deuxième. Avec pour le moment 6 points et bien 3 buts seulement marqués pour cette formation de Tico. Mais pour l'heure, quand on comptabilise le point du match nul, ça fait 7 points pour les deux formations. C'est un temps d'arrêt que l'on observe ici au stade du 28 septembre. Où il y a une forte ambiance. Une ambiance qui a été préparée, organisée par les dirigeants de Kaloum qui ont fait venir des haut-parleurs, des animateurs culturels pour justement donner à cette rencontre un cachet particulier. Vous le savez, Kaloum, depuis le début, joue à domicile. Ne s'est pas déplacé pour le moment. C'est la troisième fois que cette équipe de Kaloum reçoit ici au stade du 28 septembre, même si contre Saint-Aubin, c'est Saint-Aubin qui les avait reçus. Mais comme les deux équipes partagent les mêmes installations quand il y a match international ou match de championnat, c'est fait que pour le moment, les hommes de l'entraîneur Lamine Bangoura, quelque peu inquiets sur son banc de touche, eh bien pour le moment, ne sont pas sortis de Conakry. On revient sur le direct avec Alseni, le centre d'Alseni, la tête là-bas à Kassongo. La première frappe de Kassongo, ça monte complètement au-dessus. Des buts gardés par Fofana Boubacar. Fofana Boubacar qui va d'ailleurs mettre le ballon ou la faute pour le dégagement des 5m50. Maninka va revenir avec un bandage. Le défenseur de la formation de Tico, Mamadou Maninka. D'ailleurs, c'est lui qui va être servi par le gardien de but. Maninka pour Asko, Alia, Ibrahim Assouri, Kamara, Drogba, Ibrahim Assouri, Alseni, Kumba, plutôt Koumbassa, à le centre là-bas de Koumbassa, Yamoussa, Ousmane Perato, Youssouf Perato, quel arrêt de Perato, c'est la meilleure occasion du match pour le moment pour la formation de Tico. Mais quel arrêt, quelle parade du gardien, l'ex-gardien du Célestin Bellabé. Youssouf Touré Perato vient de sauver de justesse la formation de Kaloum. Oh, Moussa Traoré, il est allé seul défier le gardien. Eh bien, figurez-vous, le gardien s'est détendu, il a relâché le ballon. Adimo Diallo qui commet la faute. Pour le moment, le score est toujours de 0 but partout entre la formation de Tico et l'équipe de Kaloum. Mamadou Maninka, pour le moment la meilleure occasion du match. Attention à ce ballon de Belém. Ibrahim Assouri pour Koumbassa. Non, c'est Jean Moussé, il y a une faute là. Il y a une faute sur Jean Moussé. Et ça va permettre à Belém Soumaïla de pouvoir repartir. Mais il laisse le soin à son gardien Youssouf Perato. Youssouf Touré Perato qui va venir jouer ce ballon. C'est parti. Kassongo Kabongo de la tête. Moël Sangaré. Ibrahim Assouri Kamara. Ibrahim Assouri Kamara. Pour Oscar Saïorjo. Hors-jeu d'Oscar Saï, l'Ivoirien de cette formation qui a été piégé par le Sénégalais et l'Ivoirien Abdoulaye Aïssata. Tourad Bangoura, Abdoulaye Aïssata pour Belém Soumaïla dans son camp. Belém Soumaïla pour Kaloum. Il envoie le ballon d'abord la surface de réparation de Tico. Et c'est Ali Asko pour Ibrahim Assouri Kamara. Ibrahim Assouri Kamara, Babacar. Babacar qui va concéder la touche. Babacar, communément appelé Saint-Deros. L'un des défenseurs centraux, ils sont trois ce soir. Alignés par l'entraîneur, trois défenseurs centraux.
Ça repart avec Manika. La tête là-bas de Moussa Traoré. Attention à ce ballon qui est dégagé par Mohamed Bayalsal. Moro Sangaré. Alseni Bangoura pour Ali Moudjalo. L'ouverture d'Ali Moudjalo. Intervention de Mbemba. Le ballon n'est pas sorti. C'est Omar Tourad Bangoura qui a le ballon. Pour Abdoulaye Aïssata, il a du champ. Abdoulaye Aïssata, l'ouverture là-bas pour Omar Tourad. Omar Tourad le centre. Kerfala n'a pas décollé. Et le ballon qui sort. Kerfala n'a pas décollé, le ballon qui sort. Ça joue depuis 27 minutes. Ici au stade du 28 septembre. Pour le moment, il y a 0 but partout. Avec un joueur de la formation de Tricot qui se tord de douleur. Espérons qu'il y ait plus de peur que de mal pour lui. Voilà ce ballon qui va partir dans quelques instants. Momo Wandel Souma et les autres profitent justement pour donner des consignes alors que l'entraîneur camerounais qui est en veste ce soir est en train de donner des consignes aux joueurs de Tricot. Ça repart avec le défenseur de Tricot. Conte Amadou pour Koumbassa, Mohamed Koumbassa. Koumbassa qui passe, Koumbassa encore. Il a toujours le ballon. Et finalement, c'est Aïssata qui la tisse. Abdoulaye Aïssata pour Babacar. Abdoulaye Aïssata encore. Il y a un joueur qui est à terre. Ibrahim Assouri Camara est à terre. Pour la formation de Kaloum. Et puis c'est pour la formation de Tricot. J'ai égal pour le moment sur l'œil du président de Kaloum, Bouba Sampil, avec sa cigare qui est en train de parfumer. Alors que dans la loge officielle, on a un président qui doit être heureux après avoir fait chuter hier le champion de Guinée à titre. J'ai parlé de Malik Sankan et plutôt Malik Kébé, autant pour moi, Malik Kébé. Eh bien, on revient sur l'heure de jeu avec Ibrahim Assouri qui est évacué. Oscar Taï qui va remettre le ballon. Qui va remettre ce ballon donc à Belém Soumaïla. Belém. Ousmane Touré pour Ato. Pour Ato qui va servir là-bas Ali Moudjalo. Ali Moudjalo obligé de faire un petit arrêt avant de servir Bayalsal. Moro Sangaré dans le camp de Tricot. Abdoulaye Aïssata au rond central pour Kaloum, pour Babacar, avec Omar Tourad Bangoura qui commence à se remuer. Tourad encore et toujours, il est obligé de reculer sur le pressing de Jean Mousté. Omar Tourad, c'est bien fait avec Belém Soumaïla. Belém pour Sal Mohamed. C'est plutôt spectaculaire tout ça pour la formation de Kaloum. Avec Ali Moudjalo, Abdoulaye Aïssata. Belém Soumaïla, et c'est toujours dans leur camp. On va écarter maintenant Ibrahim Assouri Camara. Le moins que l'on puisse dire pour le moment, les deux formations se côtoient. Alors qu'on va voir ce ballon qui va arriver avec Kassongo Kabongo. Kassongo encore et toujours, et qui a été amené au sol. Et l'arbitre va donner l'avantage à la formation de Tricot. Tricot qui repart à travers le numéro 15. Et bien vous entendez en fond sonore les supporters de Kaloum, très très nombreux. Attention à ce ballon avec Alsemi, il y a une faute là sur Ali Moudjalo, le capitaine Ali Mou, pour Belém Soumaïla. Belém, intervention de Ibrahim Assouri Traoré. Attention à ce ballon, la main de Belém Soumaïla qui se dégage. La tête de Jean Mousté qui prend le meilleur. Et c'est Abdoulaye Aïssata en commettant la faute. C'est celui qui s'est fait appeler Vérone. Et finalement, c'est une faute là pour Kaloum. Et c'est Belém Soumaïla. Abdoulaye Aïssata. Aïssata, Belém Soumaïla. Belém. Ali Moudjalo. Avec ce ballon de Moro Sangaré perdu. Voici le ballon d'Alseni. Alseni qui a Alia Camara plutôt pour Ibrahim Assouri. Ibrahim Assouri qui va accélérer. Ibrahim Assouri qui va passer. Ibrahim Assouri le centre d'Ibrahim. Intervention de Mohamed Bayalsal pour mettre le ballon en corner.
Corner belge concédé par Mohamed Bayalsal. Il s'agit depuis 32 minutes. Pour le moment, Kalouma 0, Kiko aussi. Troisième journée du championnat de Guinée de Ligue Nimba Mining. Avec Koumassa au corner. Le ballon élevé, Youssouf Konaté. Il avait raté le ballon. Youssouf Konaté avait raté le ballon, heureusement pour lui. Les joueurs de Kiko n'ont pas suivi. Il y avait là le défenseur sur sa ligne qui a écarté le danger. On va voir ce corner encore de Koumassa. Koumassa s'est levé et cette fois-ci Torato se saisit du ballon. Ça repart avec Moro Sangaré. Moro pour Jean Mousté, plutôt pour Tourab qui a perdu le ballon. Ça peut aller avec Jean Mousté. Jean Mousté qui attend du soutien. Jean Mousté qui retrouve Alia. Alia, Jean Mousté. On est quatre là-bas pour Moussa qui est passé. Moussa encore, toujours, mais Abdoulaye Aïssata est plus prompte. Il récupère le ballon. Omar Tourad Bangoura. Le contrôle de Omar Tourad. Pour Alseni Bangoura. Le tacle de Moussa. Alseni résiste. Et franchit le cap la médiane. Nous sommes dans le camp de la formation de Tico. Avec ce ballon qui est levé dans la surface de réparation. Et le gardien sans problème. Le gardien sans problème. Et il se dégage. La tête de Spartaï, il y a Belém Soumaïla, oui. Eh bien, merci donc à tout à l'heure. Et bien sûr, c'est direct avec ce ballon de la formation de Kaloum. Et c'est Kelfala Kouyaté Zézé qui met le ballon en touche. Il y a un joueur qui est à terre du côté de la formation de Tico. Il y a un joueur qui est à terre du côté de Tico. Attention, ça dispute là entre Kerfala Kouyaté, Alia Bangoura. Momori appelle les joueurs. Peut-être c'est pour balancer une petite carte jaune pour les deux joueurs. Toujours est-il que pour le moment, après 34 minutes de jeu. Il y a toujours ce score de parité de 0 de partout. Il y a le joueur de Tico qui est à terre. Conte Amadou. Pour la formation de l'Atlético de Coléa. Chaud d'ambiance ici. Le joueur se fait soigner sur la pelouse. Espérons qu'il y ait plus de peur que de mal pour lui. Amadou Conte Amadou. On est obligé d'appeler la civière finalement pour l'évacuer. Il a l'air de souffrir, ce joueur. Eh bien, il va sortir sur la civière contre Amadou pour la formation de Tico. Et c'est Mamadou Maninka qui va venir jouer ce coup de pied arrêté. Mamadou Maninka qui va envoyer ce ballon. Oscar Taï, c'est Belém Soumaïla qui prend le meilleur avec Kerfala Kouyaté. Kerfala, oh là là, il voulait servir un partenaire, mais finalement il ne réussit pas. C'était à destination du numéro 4, Kassongo Kabongo, mais le ballon qui est sorti, le 25 est revenu sur l'heure de jeu, Conte Amadou. Amadou Conte. La touche, Babacar. Il y a une faute là de Babacar qui a mis la main sur Ibrahim Assouri. Ça va aller tout à l'heure avec Mamadou Maninka. Mamadou Maninka Kanté. Avec ce joueur de la sac de Séguéré qui va jouer ce ballon. C'est parti avec Koumassa qui est en train de contrôler. Belém Soumaïla.
Voilà une faute sur Belém Soumaïla. Et bien ça va repartir dans quelques instants avec Soumaïla Belém. Mohamed Bayalsal. Bayalsal. Moro Sangaré. Alemo Diallo. Moro Sangaré, Alemo Diallo. Avec ce ballon là-bas pour Kerfala Kouyaté qui trébuche. Kerfala. Oh, d'abord la surface de réparation. Il rentre maintenant à la surface. Le tacle posé par Mamadou Manika. Alcedi Bangoura peut-être pour le centre. Alcedi. Et finalement l'arbitre avait laissé l'avantage. Ça va repartir maintenant avec Koumbassa qui est passé. Koumbassa qui va accélérer le numéro 10. Koumbassa encore Mohamed. Hors jeu de Oscar Taï. Hors jeu d'Oscar Taï. Alemo Diallo. Moro Sangaré. Abdoulaye Issata. Ballon perdu, récupéré par Koumbassa au milieu de terrain. Koumbassa encore. Avec le numéro 11 là qui va jouer en profondeur pour Oscar Taï. C'est un peu téléphoné tout ça. C'est Youssouf Tabara pour Youssouf Touré pour Ato. Qui va repartir avec le numéro 26. Mohamed Bayalsal. Bayalsal, Moro Sangaré, Bayalsal. Abdoulaye Aïssata. On écarte là avec Tourade, Abdoulaye Aïssata. Kassongo Kabongo pour Tourade, Tourade pour Moro, Moro, ballon perdu. Ça peut repartir avec Koumbassa. Jean Mosté, Moussa Konaté, ballon perdu. Il y a là une faute là. Il y a là une faute pour la formation de Tico. C'est rapidement joué avec Konaté Moussa. Moussa qui va accélérer, Moussa qui franchit le cap la médiane avec Jean Mosté qui se bat. C'est Abdoulaye Aïssata qui récupère ce ballon, qui va servir Moro Sangaré. Moro, Moro Sangaré, Kerfala Kouyaté qui cherche le 1-2 avec Moro. Il y a là une faute, l'arbitre revient à la faute initiale, un coup franc. Un coup franc pour la formation de Kaloum. Avec Kerfala Kouyaté qui était à terre. Et au stade du 28 septembre, ça joue depuis 39 minutes. Plus que 6 minutes d'ici la fin de 45 premières. Eh bien, on va voir ce coup franc. Il y a deux joueurs autour du ballon. Il y a Tourade Bangoura et il y a Alcedi Bangoura. Lequel des deux va jouer ce ballon? Alemo s'approche un peu du ballon. Les supporters de Tico continuent d'affluer ici. Alors que ce Kaloum continue à donner de la voix. Le coup franc. Avec Alcedi Bangoura. C'est Moussa qui se dégage pour la touche. Traoré Moussa. Alcedi Bangoura pour la touche. Alcedi peut-être pour une longue touche. La touche d'Alcedi Bangoura. C'est un chasse-ballon qui traîne. Il dégage avec Oscar Taï. Koumbassa Mohamed. Alia Moussa. Moussa Traoré. Moussa Traoré qui accélère. Il a toujours le ballon. Moussa Traoré, ballon perdu. Ça revient encore avec Abdoulaye Aïssata au central. Qui change complètement de côté pour Kassongo Kabongo. Kassongo. Kassongo qui passe. Kassongo pour Tourade. Intervention de Ibrahima qui se dégage. Ibrahima Souré Kamara. Ibrahima Souré Kamara qui va accélérer. Et il y a là une faute. Il y a là une faute d'Abdoulaye Aïssata sur Ibrahima Souré Kamara. Le coup de pied arrêté. Avec l'équipe de Atlético de Colea. Avec le défenseur Mamadou Maninka. Mamadou Maninka Kanté qui envoie ce ballon. Traoré qui contrôle la poitrine.
mais finalement il ne parvient pas. C'était une nouvelle touche pour l'AS Kaloum cette fois-ci avec Babacar. La touche de Babacar, Ibrahima Souri, Ibrahima qui avait recherché le relais avec le numéro 23 et finalement c'est une nouvelle touche au profit de la formation de Tico de Kaloum. La touche encore, le ballon qui sort. Babacar. Babacar avec Belém Soumaïla. Pour le gardien de but pour Ato. Mohamed Bayal Sal. Mohamed Bayal Sal. Le long ballon de Mohamed. Le contrôle de la poitrine là-bas. De Kerfa Lakouyaté. Et le ballon qui revient avec Mbemba. Mbemba c'est là. Intervention de numéro 4 qui obtient la faute. Ibrahima Souri. Ibrahima Souri Traoré. Voilà ce ballon qui va partir dans quelques instants avec Mamadou Maninka. Mamadou Maninka Kanté. Le ballon qui revient avec Moro Sangari. Moro pour Kasongo Kabongo. Kasongo Kabongo qui va tenter d'accélérer. Kasongo encore. Et bien il y a Alia qui met le ballon en touche. Alia qui met le ballon en touche. Et ça repart avec Babacar. Babacar, Moro Sangaré. Intervention à la défense avec Abdoulaye Aissata qui récupère ce ballon pour Ali Moudialo. Abdoulaye Aissata qui va perforer. Abdoulaye Aissata qui va servir Boro. Qui a tenté d'enrouler la frappe et qui monte au-dessus. Moro Sangaré, son ballon qui monte au-dessus. Ça joue depuis 44 minutes. Pour le moment, le score est de parité de 0 but partout. Il y a un joueur de Tico qui est à terre. Espérons qu'il n'y ait plus de peur que de mal pour lui. Il s'est finalement relevé, c'est Amadou. Amadou Conté. Le dégagement de Fofana Boubacar. Koumbassa de la tête. Abdoulaye Aissata qui va mettre là dans le trou pour Kasongo qui n'était pas là. Attention à ce ballon, c'est Chandel. Avec Kerpala qui a touché son vis-à-vis. Il y a un coup franc, il y a plutôt une touche. Et il y a un joueur qui se tourne de douleur, espérons qu'il n'y ait plus de peur que de mal pour lui. Pour le moment, le score est de parité de 0 but partout. Alors qu'on fait appel au médecin sportif pour venir évacuer ce joueur sous la civière. Mais pas grand chose ici la fin de la partie. En tout cas pour l'heure, les 45 premières minutes sont consommées. On verra tout à l'heure le temps additionnel que va décompter le quatrième officiel de la partie. Aboubacar Mané. On évacue un joueur sous la civière. C'est Alia. Il y aura à mon avis 3 minutes de temps additionnel. Moro Sangaré. Moro, d'abord la souffle de passe tourade. Moro encore. On se dégage de la part de Tico. Ça repart avec ce ballon qui sort en touche. La touche pour la formation de Kaloum. 3 minutes de temps additionnel. Le compte de cette première période. Alors qu'il y a trois joueurs qui sont à l'échauffement, Kerfa Lakouyaté, Moro Sangaré. Tout que c'était Moro Sangaré qui était à terre. Abdoulaye Aissata, Tourad Bangoura.
Babacar, Belém Soumaïla, Mohamed Bayal Sal. Mohamed Bayal Sal encore et toujours. Ballon récupéré et par Moussa Traoré qui ne parvient pas à poser sa passe. Et le ballon qui va revenir avec Abdoulaye Aïssata pour Oumar Tourade. Oumar Tourade qui a vu le démarrage de Kassongo. C'est Amadou Konté qui va se dégager. Il va obtenir une faute là. Et bien on va voir ce ballon qui va partir dans quelques instants. Avec la faute sifflée pour la formation de Pico. Et c'est Mamadou Maninka, l'homme a joué tous les coups de pied arrêtés d'ailleurs. Qui va venir jouer ce coup de pied arrêté. C'est parti. Le ballon est récupéré par Babacar. Youssouf Touré pour Atou se dégage pour la touche. La touche pour la formation de Pico. Amadou Konté. Amadou Konté pour Koumbassa. Abdoulaye Aïssata qui a récupéré ce ballon. Ah, ce ballon avec Babacar. Ali Moudjalo, Babacar. Massager complètement de côté. Attention à ce ballon qui traîne quelque peu. Et le gardien se saisit de la balle et va relancer là-bas. Avec Tourade. Ibrahima Traoré. Oumar Tourade Bangoura qui va obtenir la faute. Oumar Tourade qui va obtenir la faute. Voir ce ballon à partir dans quelques instants avec le numéro 30 là, Alimou Diallo. Alimou pour Moro Sangaré. Attention à ce ballon qui traîne, Moro Sangaré. Moro le centre. Et c'est le but pour la formation de la Escalum. Et c'est Kerfan Lakouyaté. C'est Kerfan Lakouyaté qui vient de marquer. Kerfan Lakouyaté qui vient de marquer. Quasiment dans les arrêts. Kerfan Lakouyaté qui vient de marquer dans les arrêts de jeu. Allô? Allô? Eh bien, la formation Kaloum vient au stade de marquer dans les arrêts de jeu. C'est terminé pour la première période. Oui, 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 il y a même but, il y a but. Et voilà, on est confiant de ça.
Avec un ballon qui est parti, Abdoulaye Aïssata qui s'est dégagé, Moro Sangaré, Moro qui accélère, Moro encore de nouveau, Moro qui perfore tout le monde et il va obtenir la faute. Il va obtenir la faute, Moro Sangaré. Il y a un coup franc pour la formation de Kaloum. Il y a Moro Sangaré qui se tord de douleur. Abdoulaye Aïssata est sur ce ballon. Il va prendre son temps pour jouer ce coup de pied arrêté. Il y a Tourad Bangoua aussi qui est sur ce ballon. Le mur de Pico va se tomber. Il y a un changement déjà, c'est le numéro 23 et c'est le 5 qui est rentré.
Il s'agit de Amadou Saga. Attaché ce ballon qui est parti. Et c'était le filet transversal. Le ballon qui survole les buts gardés. Parfait format de Dakar. Bah, ce ballon qui est parti. Avec le ballon. Moro Sangaré de la tête. Voici là. Avec le numéro 24, peut-être. Touad de la tête, pas pour longtemps. Omar Tourad Bangoura. Pour Manika. Manika qui a retrouvé le service là-bas de Ibrahim Assouri. Et le ballon qui est. Qui a sorti la touche. Touche pour la formation de. De Tito, Tito de Kaloum. Le coup franc de l'AS Kaloum. La touche plutôt, la loutre était venue vendre des nouvelles de Babacar. Pour le moment, c'est un temps d'arrêt qu'on est en train d'observer ici. Temps d'arrêt avec Babacar qui est à terre. Espérons qu'il n'y ait plus de peur que de mal pour lui. Alors qu'un joueur qui va rentrer dans quelques instants dans le rang de la formation de Kaloum. C'est Ibrahim Assouri qui va jouer là son tout premier match. Le numéro 33. Ibrahim Assouri justement. On va voir Kassongo Kabongo, Kassongo encore de nouveau, Kassongo, Kassongo, le ballon qui est perdu, c'est finalement récupéré par Koumbassa, Koumbassa qui va accélérer. Et il cherche Oscar Taï, voilà Bangoura Al-Semi qui met le ballon en touche. Touche encore pour Mbemba Sila. Mbemba. Avec Koumbassa qui est balancé. Mohamed Koumbassa qui va obtenir la faute et le changement va intervenir dans quelques instants comme vous en avez annoncé avec le numéro 33. Qui va entrer dans ce pédale qui est la série celui-là. C'est Koumbassa qui va venir jouer ce coup arrêté. Koumbassa. Koumbassa qui a le best ballon, Oscar Faï, et c'est le but! L'égalisation à l'instant de qu'est-ce qu'il a signalé? Qu'est-ce qu'il a signalé, l'assistant? Qu'est-ce qu'il a signalé, l'assistant? Oh là là! Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il a signalé? On se pose des questions. Le deuxième assistant, Bangoura Mandjou, qui a levé son camion, sanctionnant une position de hors-jeu. Alors on n'a absolument rien compris hein, sur ce Oscar Taï qui va tenter de partir. Et Belém Soumaïla de la tête va servir une soupe. Le ballon qui va revenir, alors que là il y a une faute. Et sur le numéro 24. Le changement, comme vous annoncez, c'est Aliou Moudjalo qui sort. C'est Aliou Moudjalo qui sort. Il va céder ce brassard à Omar Tourad. Il est remplacé par le numéro 23. Il est remplacé par le numéro 23. Alemo Diallo qui sort. Donc on va voir ce ballon qui va partir dans quelques instants. Omar Tourad. Ibrahim Assouri Bangoura. Ibrahim Assouri Kamara et dégagement de numéro 23. Le ballon qui va revenir avec ce dégagement d'Ibrahima.
Le bon dégagement du Baïma, le ballon va revenir avec le numéro 2 pour Saga Amadou. Amadou Saga qui écarte là-bas pour Ibrahima Souri Camara, Ibrahima Souri. Ibrahima Souri qui va accélérer, Ibrahima Souri encore et toujours. Jamousté, Jamousté qui a fait le tour, le centre de Jamousté. Et Bayal Sal se dégage. Le ballon va revenir avec ce ballon encore. Et là, il y a une faute. Il y a une faute. Avec Koumbassa qui a un coup de pied arrêté. Il y a un coup franc. Il y a un coup franc pour la formation de Tico. Il y a Koumbassa qui va venir jouer ce coup qui est arrêté. Koumbassa pour le coup qui est arrêté. C'est parti. Le gardien, Oscar, plutôt le gardien, Perato. Monsieur Perato qui va se dégager avec Tourad. Pour Alcemi, le dégagement d'Alcemi. Attaché à ce ballon de Saga. Et finalement, ça va revenir avec le numéro 23 pour Kassongo Kabongo. Kassongo qui accélère. Kassongo, Kassongo qui va tenter de prendre le meilleur. Ah, il va commettre la faute. Il va commettre la faute, le numéro 25, Amadou. Amadou Conté. Amadou Conté donc qui connaît la faute. On va assister tout à l'heure à ce. De ce coup de pied arrêté que va venir jouer Abdoulaye Aïssata. Abdoulaye Aïssata qui va jouer ce coup de pied arrêté. Aïssata pour le coup de pied arrêté, Abdoulaye. Abdoulaye Aïssata qui lève ce ballon. Il y a une faute là, estime l'arbitre. Au profit de la formation de l'Atlético. L'Atlético à travers son gardien de but. Long ballon. Ça va revenir avec Bayal Sal. Le ballon qui va revenir encore avec Amadou. Intervention de Babacar pour Tourad, Moro Sangaré, le numéro 5 là, Alcemi, Kerfala Kouyaté qui couvre bien ce ballon, Kerfala, Kerfala qui passe, Kerfala qui centre pour Kassongo, Kassongo, Kassongo qui a trop poussé son ballon, il y avait là Amadou qui est intervenu, Ibrahima Souri Camara, Ibrahima Souri Camara, Babacar qui récupère ce ballon. Pour le numéro 33, Ibrahima Souri. Ça repart, Aïssata. Belém. Belém Soumaïla. Va changer de côté pour Alcemi. Alcemi Bangoura, le ballon qui sort, c'est une touche. Il y a encore Belém qui a joué de la tête. Plutôt, c'est Bayal Sal. Le ballon qui repart avec plutôt Mohamed Koumbassa. Koumbassa qui laisse le ballon à Jamousté. Jamousté qui accélère, Jamousté encore. Jamousté qui envoie ce ballon qui a été contré par Sal et le dégagement du numéro 23. Et le ballon qui va revenir avec Maninka. Maninka qui écarte là-bas pour la touche là. Ibrahima qui va obtenir la touche. Comme on voit la touche qui va partir dans quelques instants avec Saga. Le dégagement, un ballon en Chanel, Jamousté qui prend le meilleur. Avec Amadou Saga, il y a une faute d'Amadou Saga. Il y a une faute d'Amadou Saga. Allô? Allez, voici le ballon que. Radio Ousmane Porato, Youssouf Porato.
devant ça, Mohamed Coma. Bon, là, il s'amène sur le score de 8 à 0, mais tout à l'heure, un fait s'est passé. Il y a eu un but qui a été marqué par la formation de Tico, qui a été refusé par l'arbitre assistant Mandjou Bangoura, qui pensait qu'il y avait une position de jeu, alors que c'était sur un coup franc, et d'ailleurs c'était un autogol d'un défenseur de la formation de l'association sportive de Kaloum, et le but a été refusé à la formation de Tico. Donc pour le moment, la Kaloum continue de mener sur ce score d'un but à zéro. Babacar pour le numéro 4 là, qui va accélérer. Kassongo Kabongo qui dépose presque tout le monde. Kassongo qui va obtenir la faute. Ah, ce Kassongo là, il est très très dangereux. Quand il a le ballon, il s'est vraiment accéléré. Et il cause de misère en ce moment aux défenseurs de la formation de Tico. Il y a un coup franc. Appuyez-moi ce but qui a été refusé à la formation de Tico. Ça va faire jaser un peu dans la presse encore ce lundi. En tout cas, un but qui a été marqué mais refusé par Mandjou et Momori, l'arbitre central. Le ballon qui est parti, Kassongo. La frappe de Kassongo, le ballon qui monte dessus. Le but gardé par Fofana. Fofana, le gardien de Tico, Aboubakar. Aboubakar Fofana qui va tout à l'heure se dégager. Aboubakar qui amasse ballon, la tête déjà boostée pour repousser. Oscar Taïna se remarquera de milieu de terrain avec Abdoulaye Aissata. Le ballon a été récupéré par les rouges et noirs avec Jean Mousté, ballon perdu, Oumar Tourade a le contrôle, il est bon. Il est bon ce contrôle pour Abdoulaye Aissata. Et pour le numéro 30, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'agit d'Ebrahima. Hors-jeu de Kerfala Kouyaté. Kerfala Kouyaté, Zozo siffle hors-jeu. Et ça va permettre à la formation de Tico de repartir avec Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré, Oscar Taï, Moro Sangaré, Ibrahima Sori pour Abdoulaye Aissata. Abdoulaye Aissata qui a lancé Kassongo. Kassongo qui accélère, Kassongo dans la surface. La frappe de Kassongo et le ballon qui a été contré. Abdoulaye Aissata. Aissata. Aissata encore, ballon perdu, récupéré par Mohamed Koumassa. Koumassa pour Oscar Taï. Ah, il a du champ Oscar. Oscar, il est seul. Alseni était là. Alseni Bangoura était là pour concéder la touche. Il y a un joueur qui est à terre. Du côté de Kaloum. Si je m'abuse, c'est Abdoulaye Aissata. Deux changements du côté de Tico. Il y a le numéro 7, Aboubakar Kamara, donc Aboubakar Senga Kamara. Et le numéro 21, Sina Ibrahima Sori. Deux beaux changements à venir dans cette partie du côté de la formation de Tico avec un joueur qui est à terre. Du côté de Kaloum, c'est Abdoulaye Aissata. Eh bien, chaud d'ambiance ici, hein, au stade du 28 septembre, les supporters de Kaloum qui font la fête alors que ceux de Tico sont refroidis depuis l'ouverture du score, notamment dans les arrêts de jeu de la première période. Le but du changement va s'effectuer dans quelques instants. Et ça sera le troisième et dernier changement de la formation de Tico. C'est Koumbassa qui sort. Il est remplacé par Aboubakar Senga. Mohamed Koumbassa qui sort. Remplacé par Aboubakar Senga. Le deuxième changement va s'opérer dans quelques instants. Alors que Momori demande à ce qu'on mette le ballon entre deux. Il y a un changement, c'est Jean Mousté qui sort. Jean Mousté qui cède sa place au numéro 21.
Ibrahim Assori, Silla. Donc on a remplacé deux milieux pour deux joueurs offensifs. Avec Ibrahim Assori Camara qui va rentrer en position de meneur. En deux places de Jean Mosté, ça repart. Mamadou Manika pour son gardien but. Fofana Aboubakar. Aboubakar Fofana, long ballon d'Aboubakar. La tête là-bas de Silla. Le ballon qui est joué de la tête par le numéro 25, Amadou Conte. C'est Kassongo qui récupère, Kassongo qui va partir. Et pour défier sa latérale, il y a une faute encore. Il y a une faute. Le numéro va demander d'arrêter. En tout cas, de s'interposer. Dès qu'il sent un grand point, il prend le meilleur, le plus souvent. Donc, voilà ce ballon qui va partir tout à l'heure. Et si je m'abuse, c'est Abdoulaye Aissata. Et lui-même va jouer ce ballon avec Omar Tourad, Abdoulaye Aissata. Tourad, Aissata. Tourad. Avec Kassongo. Le tacle posé là-bas. Amadou. Intervention là-bas de la défense avec Kassongo. Le ballon qui est récupéré. Par Ibrahim Assori Camara qui va accélérer. Ibrahim Assori. Ibrahim Assori Camara Drogba qui accélère encore. Il a toujours ballon. Il va servir là à Amadou Saga. Amadou Saga. Amadou Saga pour Ibrahim Assori. Ibrahim Assori. Ibrahim Assori qui rentre dans la super réparation. Le centre d'Ibrahim Assori. Le ballon a été contré. Et finalement, c'est une faute. C'est une faute. C'est une faute pour Alcemi. Alcemi Bangoura. Ah, il a fait un peu du cinéma estime Ibrahim Assori Camara. Voilà Bayal Sal. Le défenseur central sénégalais de l'AS Kalioum. Mohamed Bayal Sal. Le ballon de Bayal. La tête là-bas de Moro Sangaré, c'est une sortie, c'est une touche. Et c'est Mbemba Silla. Alcemi encore, qui possède une nouvelle touche. Le numéro 3, Mbemba Silla. Mbemba, la tête là-bas pour repousser ce ballon. Aboubakar Zenga, il perd finalement le contrôle du ballon. Avec Drogba, Aboubakar Zenga qui frappe. Il y a Ibrahim Assori à court là-bas et Théo Porato qui met le ballon en touche. Ibrahim Assori Camara qui va venir jouer la touche pour Aboubakar Zenga. Zenga, Ibrahim Assori ici là. Ibrahim Assori ici là. Il va porter le ballon. Il va retrouver Alia Asko. Alia, Alia qui va retrouver Mbemba. Mbemba dans le camp. De Kalim Mbemba, Mbemba qui retrouve Ibrahim Assori. Ibrahim Assori ici là. Ibrahim Assori ici là qui retrouve Mbemba Silla. Le centre de Mbemba Silla. Et c'est finalement la défense par Babacar Sahan. Babacar Camara qui va finalement obtenir la touche. Babacar qui va obtenir la touche. Oui. Eh bien, on revient avec ce coup de pied arrêté, ce coup franc pour la formation de Kalioum. Il y a un changement qui va intervenir dans quelques instants. Avec la rentrée du numéro 3, Seydou Babissiri. Seydou Babissiri Camara qui va rentrer dans quelques instants. En deux places de Moro Sangaré peut-être. C'est Moro Sangaré qui sort.
Moro Sangaré qui sort. Il est remplacé par Seydouba Bousséré. Seydouba Bousséré qui était titulaire pour les deux premiers matchs. Et ça va repartir dans quelques instants avec ce ballon pour Oumar Tourad. Pour Seydouba Bousséré, Seydouba qui touche son premier ballon. Seydouba qui va centrer. Oh là là, c'était centré complètement raté de la part de Seydouba. Et ça va repartir avec Maninka. Maman de Maninka, Kanté. Kanté. Avec ce ballon qui est récupéré par Mbemba Sila. Mbemba encore. Mbemba qui conserve la touche. La touche pour Alfemi. Alfemi Bangoura. Alfemi Bangoura. Oh là là, ce ballon qui sort. Le gardien de but qui va se dégager dans quelques instants. Le dégagement est parti. Parce que ça revient avec ce contrôle là de lancer de Babi Serré. Attention à ce ballon qui est levé. Il y a Omar Tourad. C'est de Babi Serré, non. Intervention du numéro 33 qui met le ballon en touche. Ibrahim Assouri Camara. La touche. Ce ballon qui est récupéré par Seydouba Bousséré. Seydouba. Ballon récupéré finalement par Boubacar Zenga. Zenga qui fait l'ouverture là-bas pour Ibrahim Assouri. Ibrahim Assouri qui accourt. Ibrahim Assouri qui arrive le premier. Ibrahim Assouri, c'est Boubacar Zenga. Il y a Alia. Alia Asko, ballon perdu. Attention à Omar Tourad qui a récupéré le ballon pour Kassongo. Kassongo qui va entrer dans la super réparation. Kassongo pour quel ballon ? Le deuxième but! Le deuxième but pour la formation de Kaloum! Et c'est Kerfala Kouyaté! Kerfala Kouyaté qui vient de doubler la mise! Ça fait 2-0 pour la formation de Kaloum! Kerfala Kouyaté qui vient là de marquer son quatrième but. Attention à ce ballon qui est parti à Bayal Sal, qui était là pour repousser ce ballon. Et ça repart. Avec ce ballon qui est levé dans la super réparation. Kerfala Kouyaté Zozo qui est plutôt Amadou Saga. Le ballon va revenir avec cette ouverture là de numéro 11 qui va travailler. Le 11 encore. Il rentre dans la super réparation. Il y a Bayal Sal qui est là. Et met le ballon en touche. Oui, nous sommes là. Ah oui, c'est Kerfala Kouyaté qui vient de réussir le doublé. Et suite à un travail magnifique et remarquable de Kassongo Kabongo, il est parti d'Oumar Tourad qui a fait l'ouverture pour Kassongo, qui a précipité son latéral du moment avant de servir Kerfala Kouyaté, qui était là pour propulser le ballon dans les buts vides. Attention à la formation de Tico qui tentait là de revenir. Ça fait pour le moment 2-0. Attention à Kerfala encore. Kerfala Kouyaté peut-être pour le triplé. Et il a vu le gardien.
Oh là 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 là, il s'est précipité dans le geste. Il s'est précipité dans le geste qu'elle fait la Kouyaté. Il pensait que le gardien était avancé. Et finalement, le gardien s'est bien détendu. On revient sur le direct. Avec le numéro 25 là-bas, la passe pour Persson. Ça repart avec Belém. Abdoulaye Aissata. Babacar. Pour Kassongo Kabongo. Moya Ibrahima Sori. Ibrahima pour Aboubakar Zenga. Ibrahima Sori. Sila, Aboubakar Zenga. Le centre d'Aboubakar Zenga. La tête de Bayal Sal. Attention à Madou Saga. Et la sortie du gardien, Youssou Perato. Youssou Perato qui s'est saisi du ballon. Il va se dégager pour la formation de Kaloum. Qui mène ce score de 2 buts à 0, doublé de Kerfala Kouyaté alias Ousozo. Kerfala avec le numéro 5 Alcemi pour Omar Tourad d'Angoa. Omar Tourad qui a vu le démarrage là-bas de Kassongo. Il n'y a pas hors-jeu pour lui. Mais finalement, il y a le gardien qui était là. Ça repart avec Conte Mohamed. Ibrahima Sori Camara. Ibrahima Sori, ballon perdu. C'est Babacar qui va concéder la touche. Babacar qui va concéder la touche. Et ça va profiter à la formation de Tico. Qui est en train de prendre l'eau en ce moment. 2 à 0 pour Roma. Amadou Saga pour Aboubakar Zenga. Aboubakar Zenga qui écarte la pour Mbemba Sela. Nous sommes dans le camp de Kaloum. Mbemba qui récupère ce ballon. Mbemba qui accélère. Il y a là un tacle de Mbemba Bangoura. Et bien le son équipe mène 2 à 0. Et il continue encore de tacler, c'est vous dire que les consignes sont claires. Il faudrait se battre du début jusqu'à la fin et donner le maximum de soi. Alors ce ballon qui est parti avec le numéro 3 en demain. Mbemba qui a levé ce ballon. Intervention de Brahima et le dégagement de Seydou Badissiri pour personne. Sinon le gardien Aboubakar Fofana. Fofana Aboubakar. Le long ballon de Fofana. La tête là-bas de Bangoura. C'est Ibrahima Sori Camara. Ça peut aller vite. Pour la formation de Tico. Ibrahima Sori qui arrive. Sa frappe qui passe à côté. Le but gardé par Youssou Perato. Alors que Draman Djara Lachi va dans quelques instants rentrer. Peut-être pour faire souffler un petit peu Kerfala Kouyaté Zézé. Et qui, avec son doublé ce soir, devient le meilleur buteur de ce championnat, l'ex-joueur des Espoirs de l'Aveu, du Félostar et du Satellite, et aujourd'hui pensionnaire de la formation Kaloum, mais aussi notre pensionnaire de Tico. Le rappel avec Teobola. Abdoulaye Aissata, l'un des maîtres à jouer de cette formation de Kaloum, qui est balancé. Il y a une tête pour lui d'ailleurs. Abdraman Djara Lagi va rentrer dans quelques instants. Jusqu'au stade du 28 septembre. Pour le moment, c'est Belém Soumaïla qui va jouer ce coup de carité. Le ballon de Belém, la tête là-bas de Maninka. Une nouvelle tête de Babacar. Kassongo Kabongo. Mais pas pour le moment, c'est compté pour Maninka. Aboubakar Zenga pour Amadou Saga. Amadou Saga en profondeur pour Oscar Tailly. Oh là là, le ballon de Bayal. C'était là, la tête de Bayal plutôt pour contrer ce ballon. Seydou Badissiri. Attention à ce ballon qui a été contré de la part de Seydou Bam. Et c'est Mohamed Bayal Sal. Le ballon de Mohamed Bayal Sal. La tête de Kerfala Kouyaté Zozo. Zozo qui, on n'a pas douté, est en train de toucher ce tout dernier ballon avant de sortir. Avec ce ballon maintenant de numéro 33, qui sert l'Abdoulaye Aissata, qui tourne. Aissata pour Seydou Badissiri. Kerfala Kouyaté, ballon perdu. Zenga, Ibrahima Sori, qui a vu l'autre Ibrahima Sori. Celui-là, il est Camara. Ibrahima Sori Camara qui va accélérer. Ibrahima Sori Camara qui passe. Ibrahima Sori Camara qui n'a pas laissé pas de passion. Elle a trop poussé son ballon. Bonne couverture. Et le changement. Le changement à la sortie de. On est en train de voir hein, qui va sortir.
C'est Kerfa Lakouyaté qui faisait mine de ne pas peut-être comprendre ce changement. Il est applaudi par le stade. Ah, il semble qu'il n'est pas content. Kerfa Lakouyaté Zozo, qui est applaudi par les supporters. Et Momo Wandel, souvent l'ancien goleador de cette formation Kaloum, vient de le congratuler. Il sort. Kerfa Lakouyaté Zozo, il va venir saluer son président Bouba Sampil. De sa place assise, n'est pas loin du tout du Bantouche. Et accompagné par celui qu'on peut appeler son aide de camp, Ali Touré. Barcelone qui est parti. Attention à la balle, Boubacar qui se saisit de la balle. Boubacar se dégage. Bolem Soumaïla. Boubacar Zenga. Portico. Ibrahima Sori ici là. Ibrahima Sori ici là. Boubacar Zenga. Boubacar Zenga passe à l'adversaire. Ça revient avec Draman Ladji. Draman qui va attaquer Draman Diarra Ladji. Ladji qui rentre dans la soupe de réparation. Oh là là, Ladji a une faute. Il y a une faute du numéro 19. Ladji Draman Diarra. L'attaquant de cette équipe. Eh bien, on va voir là-bas Ali Akamara plutôt. Il y a là une faute. Il y a là une faute pour le. Arcevalet qui va repartir avec le numéro 25. Amadou Conté. Conté Amadou. Avec Abdoulaye Aïssata. Le grand plan raté de la part d'Abdoulaye Aïssata. Ibrahima Sori Camara. Ibrahima Sori Camara pour Oscar Taïr. Oscar Taïr, il y a là Bangoura qui était là, Alcéné. Qui court sur la touche. Touche pour lui. Et ça va repartir dans quelques instants. Mais c'est plutôt un corner, hein, Mohamed Koba. C'est un corner pour le numéro 11, Ibrahima Sori Camara. Ibrahima Sori Camara, Drogba, qui a levé ce ballon, Abdoulaye Aïssata repousse. Le ballon revient encore avec Ibrahima Sori. Ibrahima Sori qui travaille, le passement jambe. Le ballon qui va centrer, pour qui? Aboubacar Zenga, la frappe montée dessus. La frappe d'Aboubacar Zenga. Kaloum, attention, il est là sur le terrain, ne comprend absolument rien. Il va venir finalement se mêler à Boubacar. Oh là là, on est obligé d'arrêter la partie. On est obligé d'arrêter la partie. Il y a un jeune qui est venu entrer sur le terrain et partir, tomber dans les bras de Boubacar. Il y a les policiers qui sont autour de lui maintenant. Dès que Kaloum joue, c'est habituel. Hein. Ce n'est pas la première fois. Et quand l'équipe de Kaloum joue, il y a les jeunes qui rentrent le plus souvent sur le terrain. Et ça a annulé tout à l'heure une occasion, une attaque de la formation de Kaloum. Il faudrait que les autorités fassent beaucoup attention là-dessus. C'est la Fédération Guinéenne de Football et le commissaire du match, car ce n'est pas une première quand Kaloum joue. Barcelone qui est parti maintenant, avec la tête là-bas ratée. Il y a une faute là de Momo. La partie pour le moment interrompue, elle va reprendre dans quelques instants avec Belém Soumaïla. Belém qui va jouer ce coup de pied arrêté après ce temps d'arrêt. Et le ballon qui est parti. Attention à ce numéro 3, il y aura combien de minutes de temps additionnel? On va de côté 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel alors que Kaloum n'était pas loin de marquer le troisième but.
ici au stade du 28 septembre. On va assister à ce coup de pied arrêté, à ce corner plus précisément, qui va partir d'une minute à l'autre. Le corner, c'est parti dans la surface de réparation, la tête là-bas d'Aboubakar Zenga. Ibrahima était là, le ballon à la frappe derrière, voilà une position de hors-jeu. Position de hors-jeu, laissez le débat déchiré. Ça repart avec le numéro 21, Amadou contré, le ballon a été contré. Le ballon d'Amadou a été contré, ça va repartir. Avec ce ballon qui est joué là-bas avec Tourade. Le dégagement avec le numéro 3 desserré, c'est Deba desserré qui va servir là-bas un partenaire patient. Le voilà qui va accélérer encore une fois. On revient avec Tourade Bangoura. Voilà une position d'hors-jeu de Kasongo Kabongo sanctionné hors-jeu. Et c'est Maman Maninka. Maninka qui va tenter de repartir. Eh bien, ça repart avec ce ballon qui est encore négocié avec Saga. Et plutôt Mamadou Maninka pour un de ses partenaires, Mamadou Maninka qui va venir encore jouer avec le numéro 21 là-bas. C'est là qui a levé ce ballon pour Amadou Saga. Dégagement de Alseni qui met le ballon en touche. Le 3 qui joue la touche pour le 5 là. Et finalement c'est un ballon qui sort encore. Et c'est Mbemba. Mbemba c'est là. Mbemba encore. Ibrahima Souri Camara. Le centre d'Ibrahima Souri. Youssouf Porato se saisit du ballon. Et va dans quelques instants se dégager. Le dégagement qui part. Avec ce ballon, attention là, il y a toujours Ibrahima Souri ici là, Alia Asko, Alia pour Aboubakar Zenga. C'est les arrêts de jeu, il reste 2 minutes. Et bien voici ce ballon qui est parti. Avec Amadou Saga, oh là là, le ballon perdu, ça va profiter avec le numéro 11 qui tente là de partir. Et c'est Deba Bissiré qui élimine, c'est Deba Bissiré encore et toujours. Ibrahima Traoré commet la faute. Et ça va permettre à la formation de Kaloum d'obtenir la faute. Faut donc alors qu'il y a un joueur qu'on va évacuer sur une civière. Allô? Nous sommes là, Mohamed Koma. Ça continue, hein, c'est le temps additionnel qu'on a décompté, 5 minutes. On a joué depuis 4 minutes. Momori peut-être va siffler dans quelques instants. Il a consulté son chrono. Et pour le moment, la partie se poursuit. Et Kaloum met ce score de 2-0 par rapport à l'incident. Heureusement que les dirigeants de Tiko eux-mêmes sont venus calmer les nerfs. Et les jeunes supporters sont revenus. Et ils sont en train de dire aux joueurs, eh bien, allez, tout le terrain, nous sommes là pour vous supporter. Donc tout est rentré en l'ordre. Il se passe du 28 septembre. Amadou Saga, ballon récupéré par Abdoulaye Aissata alias Véron, avec ce ballon de Seydouba Bissiri pour Abdoulaye Aissata, qui retrouve les services de Babacar, Omar Tourade pour Belem Soumaïla qui a perdu le contrôle, le score taillé qui s'est écroulé, penalty.
Penalty à l'instant même. Penalty. Oh là là, on n'a absolument pas compris grand chose. Alors que le jeu de projectiles recommence encore. Et je ne sais pas si c'est la joie ou pas. En tout cas, il y a un penalty pour l'équipe de Tico. Alors tout est parti d'une passe en retrait de Oumar Tourad Bangoura, mal négocié par Benem Soumaïla, et qui, dans l'élan de Oscar Taï, qui lui faisait face au but, est venu le percuter. Et finalement, on n'a absolument pas compris. Et l'arbitre est venu siffler le penalty et sortir un carton pour Belém Soumaïla. Donc, penalty pour Tico. Peut-être la formation de Kaloum va encaisser son tout premier but de la compétition après 3 journées. Il y a Oscar Taï. Gardien de but, Oscar, oh, c'est au fond. Ça fait 2-1 ici au stade du 28 septembre, Mohamed Koma. Dans les arrêts de jeu, l'équipe de Tico vient de marquer par Oscar Taï sur un pénalty. Momori Doumbouya peut-être va siffler sur ce coup la fin. En tout cas, toujours est-il que c'est terminé à l'instant même. C'est fini. L'équipe de Tico perd ce soir. Vous êtes le meilleur buteur du championnat en ce moment, mais que ça a été difficile ce soir. Ouais, ça a été un peu difficile parce que jouer contre Atlético de Coléa, vraiment, c'est pas facile parce que c'est un grand club comme Atlético de Coléa. Déjà, j'ai joué là-bas. Les gens là me connaissent très bien. C'est pas facile pour moi comme ça. Ça n'a pas été facile quand même comme moi aujourd'hui. Mais dans l'ordre, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le rapport que va sanctionner cette rencontre? Oui, je crois que. Et il y a eu un incident, c'est vrai, de parcours, comme cela peut souvent arriver dans les matchs. Mais les responsables ont pris leur responsabilité. Ils se sont acquittés de leur devoir et puis le match a suivi son cours. Et ce qui a vu par la suite l'Atlético de Coléa, n'est-ce pas, réduire le score. Et finalement, donc, qui est de 2-1. Et je crois que les jets de projectiles qui avaient failli. Et noircir le match, hypothéquer même le match, et finalement n'aura été que d'une courte durée, et avec la responsabilité, n'est-ce pas, que les uns et les autres pratiquement ont prise. Alors c'est bien regrettable puisque c'est les projectiles effectivement qui ont été jetés, il faut reconnaître. Donc j'en ai recueilli des projectiles, tant des bouteilles, des taisons de bouteilles que, n'est-ce pas, des blocs de pierre. Et j'étais ça et là, et ce qui n'était pas vraiment admirable de la part des supporters de Coléa, n'est-ce pas? Un match pratiquement qui a été disputé presque à force égale par les deux équipes, n'eût été les contingences, n'est-ce pas, qui ont amené les buts. Il faut reconnaître que même un score de, n'est-ce pas, de parité pourrait sanctionner ce match. Alors donc, le basculement du match à un moment donné, donc je ne devrais pas amener les supporters, n'est-ce pas, et à rentrer dans les nerfs. Je remercie tout l'entraîneur pour me faire confiance dans ce match. On a bien abordé. Après mi-temps, c'était difficile. Bon, c'est que si on a encaissé un penalty à la dernière minute, c'est que si on va continuer à travailler. Je ne vais pas encaisser depuis comme ce genre de penalty. Mais surtout, je remercie le public et je remercie les supporters de Atlético. C'était un bon match. Bon, je remercie les journalistes aussi. Non, mais c'est pas encore lancé puisqu'on cherche le maintien. L'objectif principal pour l'instant c'est le maintien, on n'est pas. Championnat, c'est ça? Pas du tout, on joue pour se maintenir et puis on verra après. Et puis il y a des projectiles tout à l'heure, vous étiez assis là, des projectiles, vous-même vous êtes déplacé, c'est un peu déplorable tout ça quand même. Oui, c'est déplorable, mais il faut savoir que c'est les supporters qui sont un peu déchaînés, mais c'est normal. Aujourd'hui il y a le public qui vient au stade, c'est normal que vous voyez ça. Et c'est l'objectif pour moi, l'objectif principal, c'est même pas la victoire, c'est de voir un monde comme ça sur le terrain. Il y a 2-3 ans, c'était impossible de voir 1000 personnes sur le terrain. Avec le marketing, avec tous les efforts fournis, aujourd'hui on se retrouve à un niveau où on peut ramener 20 000 spectateurs. C'est ça ma satisfaction.
Mais vous-même, quand vous voyez l'arbitrage que la fédération nous met pour un match qui est tendu et un match de haut niveau, et que les arbitres passent à côté, le match doit basculer de l'autre côté. C'est ce qui s'est passé. Parce que quand vous voyez le but que j'égalise à 2 minutes de la rentrée de la mi-temps et qu'on refuse ce coup de pied arrêté, alors qu'aucune loi n'autorise qu'il y ait un hors-jeu à un coup de pied arrêté ou une touche ou un corner. Mais c'est déplorable. Ce n'est qu'en Guinée qu'on voit ça. Et moi, je déplore vraiment l'arbitrage ce soir. Je ne parle pas souvent des hommes en noir, mais je ne veux pas qu'on m'aide, mais au moins qu'on soit partial. Est-ce que vous entendez porter plainte contre ça? Non, moi je n'ai rien à voir. Si mes patrons veulent le faire, ils le feront. Mais moi je suis technique, je ne peux pas mon équipe contre Fellow Star de l'AB. Le reste, moi je m'en fous, mes patrons ils vont s'en occuper. Parlons technique maintenant, comment Teko a pu concéder les deux buts quand même? Il n'y avait absolument rien sur les deux buts de la formation de Kaloum. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le plan de la défense? Bon, il faut aussi que vous le reconnaissez, je jouais la meilleure attaque de la Guinée. Il faut qu'on soit franc hein, en matière de football. Alors, tactiquement, j'ai mis un plan en place qui, pour contenir mon adversaire. Et ça a marché. Eh bien, cette troisième journée s'est achevée ce soir au stade du 28 septembre. Kerfala Kouyaté a parlé, il a marqué à 2 reprises. Donc ça donne 2-1 pour la formation de Teko. Teko qui n'a pas été ridicule, mais Teko qui va rester peut-être 2e ou 3e à l'issue de la 3e journée. Tandis que Kaloum va continuer à occuper la première place de ce championnat. Pour le moment, c'est la seule équipe qui a fait 3 sorties, 3 victoires. On peut dire carton plein, 9 points pour les hommes de Bouba Sampil, les hommes de Lamine Bangoura, que vous n'avez pas écouté ce soir avec nous. Merci à tous, on se reprend la semaine prochaine.